Et re-YouTube, donc on a mis le radiateur, donc on va pouvoir faire chauffer, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Bah du coup on va essayer de chercher ce qu'on peut faire d'autre. Comment je la virerais elle? Ah, elle est revenue? Ordonnance, qu'est-ce que c'est? Une ordonnance pour une corde. Je l'ai accrochée dans mon champ de vision pour ne pas l'oublier. Au cas où tu reviendrais, je peux la voir? Une arrière pour un temps d'année. Tu veux enfin aller chercher une corde? Ça doit être mon anniversaire. Oh, je sais même pas pour ça t'as venu un gâteau. Ça va pas être la centaine de bougies. Prends l'ordonnance et dégage. Je suis parti. Heureux de constater que tu as retrouvé ton ancienne personnalité. Avec une emphase sur ancienne. Elle va mieux. Attends. Tu pourrais venir en portail pour m'identifier? Non. Elle doit transmettre. Eh mais attends, si elle doit transmettre des messages, est-ce que je peux lui donner... Attends, la lettre. La lettre pour qu'elle transmette. C'est quoi ce truc? Un message du front? Précisément. Il n'y aurait pas de Bozo par hasard. Tu mentirais sur quelque chose d'aussi important? Bien, devrais-je laisser la conclusion à ton imagination? Espère que cela puisse faire tourner les choses de mon avantage. Attends, Maratin, donne-moi cette lettre. Ma bichette d'amour. Ah, c'est la meuf de Bozo! T'es sûr que cette lettre est pour moi? Bambi, biche, Bastia. Le côté poète de certaines personnes tend à ressortir quand elles sont mortellement blessées. Quoi? J'ai d'amour, j'aimerais tant qu'il soit comme vous, blablabla. Pour être précis, j'ai marché sur une mine d'organon. Oh non, Bozo! Il va bien? Eh bien, il est encore en vie? Réponds! Mais il faut que je t'arrache cette information sous la forme du tissu cérébral à travers le nez. Eh, hey, calme! Pas peine de bien dire. Je ne suis que le facteur. Bozo est avec sa famille. On va aller le voir tout de suite. Il y a autre chose. PS, méfie-toi du facteur. Allez, file, tu perds ton temps. C'est vrai, il faut que j'aille à ses côtés. Tiens, mon Bozo, j'arrive! Et je n'ai même pas eu à mentir. Et voici le nouveau refus, c'est-à-dire s'améliorer. Oubliez le refus que vous avez toujours connu. Mais attends, mais ça me sert à quoi de la faire se barrer? Bon, je peux aller chercher une corde. Donc on va aller chercher une corde. Puis elle aussi, il faudrait qu'on lui donne un truc à un moment. Ok. Alors la corde, elle est là. Hop. J'ai une ordonnance pour une corde. Je vais la voir. Ah oui, j'en ai encore une en stock. Vous voulez un peu de spray imperméabilisant? Certaines rambardées de pont peuvent être humides à cette... Ça ira. Eh mais attendez, c'est juste un lacet. Et là, je crains que votre mutuelle ne couvre pas un meilleur modèle. Je suis désolé. Ok, j'ai une corde. Bon. On va aller voir Bozo. Ah, ils ont bougé. Il fait à manger, il fait à manger. Les maternelles, oh putain. Bonjour, je suis le gouverneur Argus. Tremblez devant le mortel pour l'autorité de l'organon. Excellent, tu as trouvé mon tirelet. Que quoi? Et voici une photo de son premier concours d'orthographe. Il a toujours eu du mal avec la lettre L et le F. Mais pour lui, c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'il porte là? Oh, c'est une petite jupe qu'il avait fabriquée lui-même avec des fils dentaires. Oh, c'est mignon! Il en a mis de côté pendant des mois. Des ponias, Sergent Bambi? C'est adorable! Un pyjama fifi frofrimousse. Pourquoi est-il l'air tout gêné? Je ne sais pas. Il était censé m'aider à changer les draps de son lit. Il était plein de taches. D'accord. Ça va, Bozo? Ok, on peut pas le faire se buter. Est-ce que je peux lui filer le lait? Alors ça, je m'y attendais. Mais il arrive un moment où il faut avoir posé une limite. Et c'est donc maintenant. Mais il veut pas me filer ça. Hein. Ok. Je vais rallumer le courant. Le courant n'est pas là, ça que je comprends pas. Ah, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les hormones, le babyphone, le panneau. Là, lui. C'est quoi déjà? Il faut que je fasse quoi pour lui? Je vais peut-être aller prendre un Hirk de remplacement du coup. On n'a pas essayé ça encore. Hop, un petit formulaire. Maintenant, le formulaire, on l'utilise. Hop, un Hirk de rechange. Ok, donc on ne peut pas le faire.
Alors là, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Ouais, remets les habits de Rufus. Il a quoi dans les mains? Salut Janosch. Salut Rufus. C'est quoi notre plan déjà? Nous nous trouvons juste au-dessus du bureau du gouverneur. Le code d'ascension s'est cassé là. De ce fait, nous voulions déclencher le cowboy dodo avec une corde à laquelle il fait ta. Ok. Est-ce que je peux reprendre un truc au niveau du tube de cowboy pneumatique? On n'y arrive pas là. Le bureau de l'organon a déjà embarqué pour du transaérien. Faut aller une meuf? Ils n'entendraient même pas un vrai héros s'il leur sautait sur les fesses en jouant du tube. Je peux lui parler à lui ou pas? Pas du tout. Et tu joues à quoi? Tu es censé voter pour moi. Et pourquoi tu ne votes pas pour moi? Nous sommes identiques après tout. Donc on se fiche totalement de savoir qui nous deux trouve les codes. Donc ce n'est pas cette machine pompeux. Je suis d'accord. Nous on oubliera assez de lui. J'ai trouvé quelque chose. J'ai une idée, on pourrait s'aiguiser, et puis on pourrait engendrer la confusion. On aurait notre incroyable talent pour régner par l'ordre et le chaos. Je crois que le train de mes pensées n'est déraillé. Je crois que ce plan aurait juste besoin d'être un tout petit peu plus peaufiné. Et le Ténia? Je crois que c'est presque qu'on pourrait utiliser comme corde. Et bah garde ça pour toi tant qu'il n'y aura pas de nouveau vote. Nous ne pouvons pas laisser ce clown obtenir les codes d'ascension. Ce visage me semble familier. Bon. Ok, je recommence à te bloquer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Parce que maintenant j'ai une pompe à lait maternelle, ça va pas m'aider. Papy Bozo. Ah, la marmite. Je peux prendre la marmite. Qu'est-ce que tu fais? On peut pas attendre que le dîner soit prêt. Mais ça sent trop bon, tu trouves? C'est dès qu'il y a un reste de jus de rôti. Je vais le congeler, non, ce serait criminel. Qui sait si les générations futures seront encore capables d'apprécier le jus de rôti? Ok. Mais j'ai encore l'huile. Wouh! Alors. Parce que là, la corde et tout, je vois pas trop à quoi ça pourrait nous servir. Parce qu'ici on a quoi à faire encore? Éjection de la manivelle. Il disait quoi le leader? Le chamailleur. Je peux lui donner des hormones? Ok. Est-ce que je peux lui donner la manivelle? Ok, j'ai compris. Est-ce que je peux lui donner genre le panneau? Ok, non. Que je peux lui donner? Qu'est-ce qu'il a l'autre? Du lait maternel? Est-ce qu'on peut lui donner le lait maternel? Non. Le chamailleur! Je vois même pas ce qu'il veut dire par le chamailleur. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Où tu crois aller comme ça? C'est pas évident, on est dans le pub, avec des mioches, je vais faire la tête. Ouais, non, d'accord. They aren't mine. Yeah. And then he and did it. What a D'accord. Est-ce que je peux laisser le lait maternel à côté du chauffage? Oh, j'ai même pas l'impression. On peut plus du tout interagir. Ils disaient quoi eux déjà? Attends. Si j'allume la télé. Il fait trop froid et trop noir. Ah mais là, je comprends pas pourquoi le courant il ne fonctionne pas. Et c'est quoi le fusil? Dis quoi? Tellement coincé. Il faudrait que j'arrive à faire en sorte. La manivelle, je peux l'utiliser pour bloquer le levier ou pas? For this. I need an profound knowledge. Thou shalt take a. Ok, non. Le lait. For this and profound thou shalt. Non. Il faut que j'essaye le reste.
On a la corde. Alors, hop, la marmite. Est-ce que je peux accrocher la corde au nez? Est-ce que je peux utiliser la sauce? On vise en doigt. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si là, pour lui, là, il y a encore la meuf. Parce que là, on a quand même pas mal avancé. Portrait d'un héros Elysium. C'est vrai qu'il faut toujours qu'on fasse le truc de Bozo là. Convaincre Bambina de se porter garante pour Rufus. Comment je me convaincre Tony? Je vais parler à Goon. Hein? Mais c'est pas adorable qui ça? Ah Goon, ouais, comment? T'es sérieuse? Je peux retourner au thérapeute là? Ouais, non, faut d'abord que j'ai le reste. Faut d'abord que j'ai le reste, ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux lui dire, elle? Je ne peux pas maintenant, je dois attendre que mon tatouage des enfles. Son tatouage des enfles. Je peux filer la corde. Je peux filer la sauce. Le maternel. Je lui donne la manivelle. Je lui donne plein de trucs. La sauce, tu la veux? Non. Est-ce que tu veux le lait maternel? La manivelle. Hey Tony, quoi? C'est quoi ton problème? Je crois que tu suis une thérapie. Mon thérapeute l'a arrêté et m'a donné une ordonnance pour une corde à la place. N'a pas quelque chose à voir dans cette histoire par hasard? Pas du tout, qu'est-ce que tu fais croire ça? Rufus, et la minute? Ton menaçant là lui a agressé dans les yeux. Il a réussi, tu es revenu toi-même. Ce n'est pas l'objectif de cette thérapie. On s'en fiche de l'objectif, l'important c'est que ça ait marché. Je peux lui filer la corde? D'accord, la sauce? But you've never only once when we first met. I remember. And I biggest mistake. D'accord. Manivelle. I knew I didn't need a cray. It is. Le maternel. Would you like something you look all? Not nearly as strict. Not everybody can have water on the. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux peut-être retourner voir comment s'appelle les gens Bozo là. Et essayer de leur parler. Hello. Another bit. The house is his first. Oh. Huh. Hello. Here. Oh. Hello. Oh. Huh. En fait, il écoute même pas. Est-ce que je peux filer des hormones? Si je leur donne les hormones, ça fait quoi? Hello. D'accord. Eh ben écoute, on va leur redonner les hormones. Attends, est-ce que je peux donner des hormones aux gosses? What about it, kid? Wouldn't you like some cool? Ah, ils sont d'accord. Une minute, vous ne pouvez pas donner n'importe quel médicament à des enfants. Je sais bien sûr que non. Parce que ça coûte cher. Non. Là, je sais pas quoi faire du tout. Parlons à Papy Bozo. Hey, Papy, ne me bouscule pas, je saurai pas quand ce sera prêt. Ok, donc je peux littéralement rien faire du tout. J'avais essayé de donner la sauce à Bozo. Hey Bozo! Say. Fais, ah, allez, ouvre! Voilà le gros navion! Je ne sais pas trop quoi faire. Better not. I don't like Fozo is just on. Better not. I don't like Fozo. D'accord. Ça j'ai déjà fait, j'ai déjà montré à Bozo.
Un autoportrait sous forme de petite tirelire. Ouais, 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 ouais. Rufus Hood, the noble thief, take from the poor. Gift? Nah, now I'll think of something better. Yeah, what kind of a... There wouldn't even be any... I can still hang my things up to dry when all my plans... Je suis en gros bug. I've obviously already been at work. Pity I don't remember any. J'ai donné une corde. Oh, excuse, j'en ai vraiment pas besoin. T'as déjà fait tant de choses pour nous, d'accord. Tu veux pas du lait? Je sais pas, hormones? Je sais pas quoi faire du tout. Plus de manivelle? C'est quoi? On va dedans pas pour voir cette langue? Non. Alors ça devra attendre. Hands off. The antidepressants are for patients who... Je sais pas quoi faire du tout. Je vais pas aller à lui là. Alors t'as pas un bon sujet? Oui, mais on a cherché des extras impressionnants. Le truc, ça ne se commande pas. Tiens, je lui donne une corde s'il veut. Elle hurlait et crachait du feu. Elle égalait une horrible puanteur de soupe quand elle criait son nom. Tony. C'est T-O-N-E. Bien noté. Cet exercice m'a été sérieusement offert par Hubert le Sage. On m'a tenté en question à la sagesse de Hubert? Très bien que non. Ouais, ouais, ouais. He would be the perfect. It's a pity I need him to hold the camp. Je sais pas du tout. Comment je mets le chauffage? Est-ce que je peux lui rendre la manivelle à l'autre? Attends. J'ai plus la manivelle. Ah, c'est pas ce que je voulais. Attends. Si j'ai... She's crying so big. I just can't stand this. I better turn the other way around. Ah, quel connard. Mais attends, mais du coup. Good and triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, les femmes. Ce qui en fait, tu me dois encore de l'argent pour chaque langue. Mais je n'ai plus un sou. Tiens, j'ai une corde. Non, mais. Alors laisse tomber. Attends, il a monté la chaise. Donc si je réutilise. Ah, je peux pas du tout. Shoo! Attends, on va parler à June. T'as bien? Rien ne va, tout était si parfait. Goon et moi, on avait trouvé ce petit coin adorable en plein centre-ville et puis on a été séparés. C'est la jungle dehors, tu sais. Certains sont destinés à se faire bouffer. Tac tac tac. Tiens, vas-y, donne-lui tout ça là. On va voir si on peut faire des choses. Je vais garder ça en tête comme plan B. Ah, le babyphone peut-être. Somehow. Non, ok. Somehow.
I don't have to. Then stop whining and find, you know, actually for. Ah, le travail. Alors attends. Absolutely nothing. Then stop burrito wraps. Vendeur de tortillas, en plus, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est, un charmant candidat? What? Quoi, mais hey, oh non. Huh? Tortilla, seulement 1,5 sauté. Bravo. Oh non, c'est horrible. Hey Goon, hey Goon. Wow. T'es vraiment impliqué dans ton nouveau travail, Tortilla, Tortilla, qu'est-ce qu'il y a? Il se concentre. Après tout, vous êtes ton premier client, vous êtes sûr? Tortilla. N'avons pas l'air dans ses baskets. Bon, faites pas de bille, c'est tout à fait normal. L'autre doit encore s'adapter au symbiote. L'autre? Il faut être un bon hôte pour vendre des tortillas. Qu'est-ce qu'il raconte? Hey Goon! Hey Goon, t'as dit que j'ai une histoire super cool. Oh. Bah, je vois pas quelle utilité de faire ça, mais bon. C'est horrible. C'est horrible ce qu'on a fait. Encore une bonne action qui met directement à plus tard, mais c'est encore plus misérable pour faire un clic digne de ce nom. Bon attends, on va enlever la manivelle du coup, parce qu'on peut plus utiliser ici. Et on lui rend la manivelle. Enfin, on met la solar, ok. Hop. Et du coup on prend le fez. On a toujours un accord, bien sûr. Ah mais attends, mais je peux peut-être le donner à la meuf. Tiens, June. Merci, Rufus. Mais tout ce que je veux, c'est récupérer mon Goon. Certes, mais si tu avais un travail, tu pourrais acheter la manivelle au joueur d'Orgo de Barati. Ce vice-là a déjà essayé de me draguer plus d'une fois. Que voudrais-tu que je fasse? Juste apporter une petite contribution à son numéro? Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Allez, c'est décidé. Pour l'instant, je vais trouver un public à payer. Ok. Non, c'est par là. On va lui dire qu'il y en a un. Hello again. Le joueur d'orgue de Baratier, un nouveau singe. Un nouveau singe, vous dites? Faut vraiment que j'aille voir ça. J'espère que le spectacle sera vraiment humiliant. Faut bien vouloir singe loti. Ok. Dance, little monkey. Dance. Quelle honte! T'es vraiment atroce, cette pauvre fille! Je lui donne 5 exotiques que parce que j'ai pitié d'elle! T'as entendu, le public qui est content! La prochaine fois, t'auras intérêt à faire un peu plus. La prochaine fois! Dès que vous aurez gagné les 5 exotiques, je devrai avoir la manivelle! C'est exact! Mais les 5 exotiques ne m'appartiennent pas! Je dois m'en servir pour payer mes dépenses! Vos dépenses, mais. Ah, Rufus! Il faut que tu m'aides! Comment dire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois? Il prend ce qui lui revient. Sa commission pour un recrutement réussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu m'as vendu? Oh non, on ne peut pas dire ça. Tu m'as vendu à un singe. Et pendant tout ce temps, t'as fait semblant de chercher à m'aider. Vous ne rendez pas compte que cet argent fait de vous tous des singes. Comme s'il n'y avait rien de plus important à ma vie que le lucre écœurant. Je devrais plutôt m'être reconnaissant pour t'avoir ouvert les yeux. Je t'ai trouvé un travail et je t'ai enseigné une précieuse leçon. Qu'importe ce qu'on fait, tant qu'on reste fidèle à ses objectifs. Car la fin justifie les moyens. Et qui, quand on y pense, fait de moins sain. You still dance? That's because I still need to play. Is it really worth it playing them? You could just give me the 5 zlotys. You actually did. But 5. De quoi je peux lui donner? Je crois pas. No, I want to make an example. Je tiens à faire exemple sur le coup. C'est horrible. Du coup les 5 zlotys, on les donne à lui et je vais lui demander hop. 4 burrito wraps. 4 tortillas. That will be hop là. Nous espérons que je crois qu'il a un petit problème avec vos assistants. Quoi? Il a planté?
Essayez de l'éteindre et de le rallumer. Tortilla. Désolé pour ce lézard, sinon. Y'a pas de lézard. Mais ça sert à quoi d'avoir des tortillas? Yep, I bet all that's missing is the meat filling. Faudrait mettre une bonne viande là-dedans. Mais j'ai pas de viande. Que faire? Oh la pauvre June là. Attends, la vieille, elle m'a donné les 5 zlotys, mais elle peut pas me filer autre chose. Hello again. D'accord. We were just wait a moment. Did the water here just get warm? Like I said, I've got to go. Ciao. You're still there. Toujours en train de danser, tatata. Actually, wait a. Yeah, that's a pity. I don't forget what you. I better leave him. Mieux de le laisser tranquille, il est occupé. D'accord. Et tant que j'ai les gosses, je peux rien faire. Là, je pense que j'ai tout fait. Il me restera plus qu'à trouver comment en finir quoi. Là, lui, il y a les tortillas XXL. Mais je sais pas trop à quoi ça va me servir les tortillas. Je vais peut-être essayer de donner les tortillas à madame là. Lottie may have worked in City Hall. That seems paradoxical, but maybe it's like with hop. On va redonner les hormones à lui. Ah, c'est un bordel. Alors, si je lui redonne les hormones. Non, je vais pas faire ça. Est-ce que je peux mettre les hormones dans les tortillas? Non, c'est pas ça que je veux. D'accord, donc il me faut de la viande. Où la trouver, je n'en sais strictement rien. Regarde ça. Trouver quelqu'un qui se porte garant. Faire le truc là de bozo, là, portrait d'un héros, tout ça, je sais pas comment on fait. C'est tellement chaud. Remporter le vote face à Cowboy Dodo. Eh mais ça c'est quoi ça? Se débarrasser des gamins, trouver un moyen de les endormir. Aider Goon et June. Obtenir leur radiateur en remerciement, faire sortir Goon et June. Et du coup ça c'est fait. Trouver un moyen de les endormir. Se débarrasser des gamins. Ouais. C'est complexe. Que faire? Il me faut de la viande. He looks grump. I better not bother him. Je sais pas quoi faire. Parce que lui il est baisé et je vois même pas ce qu'on peut faire d'autre. Comment je peux refaire un vote? Refaire un vote. On va éviter. Il s'est enfin trouvé une tenue dans laquelle il n'a pas l'air d'un abruti. C'est désormais une figure d'autorité. Avec un peu d'imagination et de bonne volonté. Mais comment je fais pour refaire un vote? J'aurais bien réclamé un nouveau décompte, mais je ne dispose pas du formulaire requis. Ah. Un formulaire. On peut faire un formulaire. On va essayer. Est-ce que là ça va? Service sanitaire. Ok, donc ça je peux pas. Ok, le tournevis c'est bon. Hola, there.
J'essaye des trucs, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais même pas pourquoi là ils accepteraient un décompte. Mais... on lui donne vite fait et après on arrête la VOD parce que là ça fait déjà une demi-heure. Hop. I would apply for a new, but I don't have... D'accord, donc c'est pas ça. Sur ce, bisous YouTube et tout, on se retrouve juste après pour la suite. Allez, salut. Oh, mon truc qui fonctionne plus. Eh bah salut.